Ok, je vais le faire. Et oui. Non mais le pire, c'est que l'histoire. Là, l'histoire là qu'on est en train de faire là, c'est fidèle au bouquin. C'est ça le pire. C'est que ça rentre dans le. Ça rentre vraiment dedans. Je vais devoir le finir cette fois. Tu sais qu'il y a une stratégie. Il y a des stratégies, par exemple, pour battre le boss. Est-ce que tu te souviens de l'avion? Hein? T'as dû le faire ça. Est-ce que t'es allé jusqu'au moment où. Je te spoil un peu là. Où t'as un combat. Ça te dit quelque chose? Ah, attends, c'était par ici ou pas? C'est lui qui avait deux portes. D'accord, on est directement là. Là, il faudra que je reparte directement. Genre, on va les sauvegarder. Répète-toi la caméra qui arrête la ventilation. Ouais, mais je pensais que t'étais allé plus loin vu que tu parlais de ça. Et une stratégie qui consiste à rage quit le jeu. Et hop, t'as gagné. Direct. Instantanément. Oh, ferme ta gueule, toi. Non, tu peux continuer. Faut avancer. Oh, what the fuck! Putain, mais il commence à mettre des gorilles dans les trucs. Attends, je vais ressortir avec le lance-roquette, tu vois. Avec le lance-grenade. Ifrit, c'est la strat que j'ai fait. Elle marche bien, mais c'est bad ending du coup. Ah, mais la ventilation, tu l'avais passée du coup, t'en parlais. Ou t'as regardé juste la... T'as regardé après la... Yo, Ayer Saiba, comment ça va? Ça roule? T'as fini ton stream? J'ai vu que tu streamais là. Est-ce que tu connais The Ring? Sur Dreamcast. Un des meilleurs jeux de la console. Top tier. Ah, sur du jeu top tier là. Attendez, je vais prendre le lance-grenade pour tester là. Parce que là les ennemis sont un petit peu trop énervés là. Ah, tu me restes? Ah super, bah, merci Ayer. Bah en fait je le vois pas parce que je le vois pas sur le téléphone. C'est chiant. En fait j'ai mis le chat sur le téléphone et je le vois pas. Bah merci, écoute, hein, ça fait plaisir. Sur un jeu de qualité en plus comme ça. Donc là on joue directement sur la Dreamcast là. Comme Chancal. Chancal pourra dire du bien de ce jeu. Il l'a fini lui, pour son marathon, je lui ai mis le jeu dans les pattes. C'était une totale découverte pour lui. Hein. Pour moi aussi, hein, de toute façon. Alors, vas-y, viens ici le gorille là. Tiens! Non, il est vivant là! Mais non, mais c'est une blague! Mais c'est une blague, il m'a mis un coup de boule! Ça a l'air fidèle au film. Eh bien, en fait, ce n'est pas fidèle au film, mais c'est fidèle au bouquin. C'est ça qui. Bon, je dis pas qu'il y a des gorilles hein, qui se promènent, hein, mais dans le bouquin. Mais l'histoire est en raccord avec les bouquins, par contre, qui n'ont rien à voir avec les films. En fait, les bouquins, c'est de la SF et les films, c'est des films d'horreur. Mais les deux marchent, hein, les deux sont bien. Hein. Tiens! Qui veut du singe grillé? Plus proche des bouquins que du film, d'ailleurs, c'est. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses le bleed. Oui, il faudrait que je fasse le bleed. Mais de toute façon, j'ai le bleed là. J'ai carrière. De toute façon, moi j'ai récupéré tous les jeux d'horreur. Donc j'ai carrière. J'ai le bleed. Et j'ai gravé que ça pour l'instant. Ouais, parce que je suis un pirate! Non, c'est parce que les jeux ils valent une blinde. The Ring, je crois qu'il vaut 60 balles minimum. Ah non, merde, j'aurais dû aller où? Je vais revenir, je vais aller où? Il y a rien à faire là. On va reprendre l'échelle. J'espère que je vais pouvoir me TP. On va voir. Ah, le build il a l'air bien fait, non? Non mais par contre si vous voulez un jeu hyper dur sur Survival Horror, il y a comment il s'appelle là,
Ennemi 0 sur Saturne. Hein. Il est chaud patate. Il est vraiment chaud patate. Tous les ennemis sont invisibles. Donc déjà, au moins, ça te calme. Tous les ennemis sont invisibles et tu récupères une arme qu'au bout de 2 heures de jeu, à peu près. Et l'arme, en fait, il faut la charger au bon moment, au bon rythme et tirer à la bonne distance alors que vous voyez pas les ennemis arriver. GG, quoi. Tu vois pas les ennemis arriver et il faut tirer au bon moment. Disque US, faut les importer, ouais, ça pique. Bah, oui, ça va piquer sur les frais de port, ça c'est sûr. Ouais, du coup, elle se rend pas compte du temps qu'elle a passé dans ce monde-là. Hop, on repart. Bah, le truc, c'est que les exclus US, jusqu'à un certain temps, les États-Unis c'était l'Eldorado. Maintenant, c'est vrai que avec les frais de port, de douane, etc., ils ont tout revu à la hausse. Donc, forcément, quand tu demandes un particulier, t'achètes un particulier, ça te coûte cher. Et il y a les boutiques en ligne qui pratiquent des prix de douane à zéro. Allez hop, on est revenu dans le loop. On est revenu dans le... dans l'hélice. Le monde de l'hélice. Donc en fait, si vous voulez... comprendre l'histoire, c'est que là, je suis pas dans le vrai monde. Je suis pas dans la réalité. C'est ça, Darky, t'as tout compris. De quoi, Robert? Oh, il y a un flingue, là. Oh, ça sent la fin du jeu. Je suis supposé utiliser ça? Eh oui, une arme à feu. Robert, je veux croire que tu es en vie. Ah, c'est beau l'amour. C'est comme Matrix, exactement. Ça ressemble à Matrix. Par contre, il me donne un flingue. Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais me battre dans les couloirs. Je vais tirer sur les scientifiques pour passer. T'en aurais dit trop ce que Scully de X-Files. Tiens d'ailleurs, X-Files, j'avais commencé sur PS2, faudrait que je... Après, je le fasse. J'avais fini la première mission. Enfin, la première partie de la première mission, plutôt. Plus précisément. C'est bon, 300, ça devrait suffire, non? Ça va, là, je suis blindé, là. T'as le scénario de Ace Combat 3 qui est dans le... de Cécile Matrix. Ah oui ? Scénario de Ace Combat 3 ? Je m'en rappelle pas. Oui, je vais sauvegarder. Oui, je vais sauvegarder. Non ? Oui. T'as la détection des objets dans le jeu. On va faire une petite save et on va y aller, quoi. Ça va bourrer. Ouais, oui, mais que dans la version de Jap, elle a été traduite il y a quelques mois. Ah bon? C'est ouf. Parce que finalement, les scénarios de Ace Combat, on t'explique rien dans mes souvenirs. Enfin, c'est juste genre, t'attaques... t'as des missions où t'attaques des ennemis, hein, ou des zones. Ah, ça y est. Il a éteint la lumière. Ne bougez pas jusqu'à que le système de sécurité redémarre. S'il vous plaît, attendez dans vos pièces. Je répète, le pouvoir... enfin, le pouvoir. L'électricité a été coupée. Attendez que ça redémarre. Ah, c'est...
On a 3 minutes. D'accord. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut que j'aille. Je crois qu'il faut que j'aille chez le patron, je crois. Mais j'ai un doute. Soit c'est chez le patron, soit c'est... Bon, on va faire une première tentative, ok? On va aller tout droit. Ouais, les chinois déchirent, ils ont tout viré. Ouais, je comprends pas. Parce que pour eux, c'était pas normal qu'il y ait un... Ah, attends, c'était pas ça l'ascenseur? Ah bah voilà! Il y a une échelle pour descendre. Ah, en fait, c'est ici. Donc j'y suis jamais allé ici. Ah, voilà. J'arrive là, en fait. Ok. C'est ouf qu'ils ont viré ça. C'est genre, les Occidentaux n'est pas assez malin pour se dire qu'un scénario construit dans un jeu d'avion. On est des idiots, en fait. On veut nous épargner de réfléchir avec un scénario dans ce genre de jeu. Ah merde, je suis con, j'ai fait le tour là. J'ai fait le tour, mais alors attends. Parce qu'on peut pas descendre avec ça. Là. On va descendre encore plus bas. Je sais pas où on va. Hein. Il y a plusieurs fins en plus. Où est-ce qu'on va? Ah là, j'y vais en mode freestyle. Non, c'est pas par là. Faut que je revienne dans la pièce. Ok, je sais où on va. Je sais où on va. Et j'y vais vraiment à l'instant. Une fois que tu les as toutes faites, tu as la vraie fin. Ah ouais, carrément. Elle te retourne bien la tête. Ah d'accord. On t'a dit qu'en fait on te l'avait manipulé et tout ce que tu fais. Par contre, je suis pas sûr, là il me reste une minute, je suis pas sûr que j'ai du temps à perdre à aller dans la salle de sécurité. Ah, j'aurais pas dû, là je suis en train de perdre du temps. Vite, retourne en arrière. Je viens de perdre 20 secondes là. D'accord. Il y a une version de Ace Combat 3 sur Dreamcast? Non, je pense pas. Hein. Oh le con, je me suis ouvert. Non, par là s'il te plaît. Oh my god. Franchement, si j'y arrive, c'est un miracle. Attends, mais c'est bizarre ça. Ah si, ça ressemble, c'est. C'est par là. Vite, faut toucher ça, Sadako. Zidane l'a touché, Zidane l'a touché. C'est le monde de tailleur, ce monde-là. C'est ça. C'est le monde des tailleurs. Il faut garder ça. Comment dire ça? Déverrouillé. Ah, il faut qu'elle se brouille en fait avant que la sécurité revienne. Donc c'est cet endroit que les gens dont les gens ont peur. Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Elle a peur que quelque chose de bizarre arrive. Mais non, t'inquiète. Bon, maintenant on a un... C'est bon, maintenant on a le time, on fait ce qu'on veut. On va fouiller. Ou pas. Justement, je vais faire exprès de pas aller à... Bon, voilà, je disais, je vais faire exprès de pas y aller. Isolation. Ah d'accord, c'est un endroit où ils isolent les gens. Donc là, il devrait y avoir des patients, en fait. Ici. Mais y'a personne. Oh, attendez. Magazine cochon ou pas? Ah. J'ai l'impression que ça parle de train et de la pêche, non? Je vois. Chasse et pêche. Par contre, ici, il y avait... Ah, on peut pas fouiller. Il y avait des bureaux affiliés. Je fouille, hein. Je suis curieux. Le piano à quatre touches, cette musique.
Il a peur qu'il y ait un truc qui saute à la gueule. Et après tout ce temps passé dans la réalité, ouais. Ouais, c'est dans l'autre réalité. Ouais. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Hein. Ah ouais? Un pack de vie encore? J'en avais pas assez. Après ce qu'elle a subi dans l'autre monde, moi j'aurais peur de même de sortir de chez moi. Hein. Avec des monstres gorilles qui prennent des grenades au napalm et qui bronchent pas. Je sors pas de chez moi. Hein. Alors attendez. J'ai fouillé une pièce sur deux. Mais c'est tellement bien foutu la caméra que. J'ai fait exprès de laisser la caméra de base. Hein. Parce que j'aurais pu la modifier. Ok. Donc il y a encore. Pas encore fouillé à gauche. Ouais, je suis en cale, j'ai toujours pas trouvé le lance-roquette. Hein. C'est une arlésienne, le lance-roquette, il n'existe pas en fait. Ah bah si, il est bien patient. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez bien? Oula, je sais pas ce qu'il a, mais il est dans la merde, je crois. Give me a break. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec... Qu'est-ce qu'il y a pas avec vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, je crois qu'il va faire caca. Je suis pas sûr, mais il est mal. Il est dans le mal. C'est une grosse gueule de bois. Oh putain! Oh merde! Bon bah j'ai tué un être vivant. Voilà, il y a une téléportation. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est comme ça que les humains restent en vie. Et de toute façon, c'est un monde virtuel. Tu n'as rien fait de mal. Un meurtre? Je suis une meurtrière. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien de mal à être un meurtrier? Je suis en train de le dire. Je ne suis plus un humain, oui. Et c'est un monde virtuel. Quel problème avec ça? Vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes pas humaine. Oui. Aucun de vous ne nous a jamais traités de manière humaine. Vous êtes moqué de nous. Nous utilisons pour votre bénéfice. Et quand tout a raté. N'a pas réussi, quoi. Oui, a échoué. Vous nous avez appelé des monstres. Comment vous nous regardiez, vous ne nous regardiez pas comme des êtres humains. C'était un horrible regard, comment on va dire. Humains qui continuent à vous tuer tous les jours. Vous dites que le meurtre est mal après tout ce temps. De toute façon, c'est un monde virtuel. Si vous ne récupérez pas le vaccin, beaucoup plus de gens vont mourir dans le vrai monde.
Eh, hey, attendez! Je vais avoir la bad ending, j'ai tué un être humain. Comme Silent Hill. Moi je fouille tout, hein. Ça sent l'arnaque mode de... Ah, j'ai trouvé un fichier. Je ne veux pas y aller, 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 je ne veux pas y aller. Il ne reste plus que 5 jours. Non, it will be, ça fera le 5e jour aujourd'hui. Enfin demain, pardon. Tomorrow. En attendant, je ne veux pas y aller. Est-ce qu'au bout de 5 jours, en fait, il les emmène à un endroit. Alors, je sais pas s'ils emmènent pas voir le cerveau de Sadako. Pas ouvert, comment je fais? Bah c'est malin ça, comment je fais pour y aller si c'est fermé? Ouais, on va essayer d'aller en face, mais c'était fermé aussi je crois, hein. Bizarre. Tout simplement. Ça c'est la mort, non? Ah bah c'est elle, c'est encore. Si vous restaurez l'électricité grâce à ça, grâce à cette clé, vous pourrez rencontrer Sadako. J'en ai plus rien à faire de savoir quel monde est la réalité maintenant. De toute façon, si j'utilise ça, je pourrais rencontrer Sadako et Robert sera en vie, sera sauvé. Qui sait? Si vous voulez voir Sadako, vous devez. You have to go from upstairs. Ah merde, faut passer par le bureau du chef. Ah ouais. Et Robert sera sauvé. D'accord. Bon bah tout est sur mes épaules, super. Ah, elle travaille, c'est sorti. Devenir un corps, puis revenir à la vie. Elle travaille, c'est sorti, tu vas se casser comme ça. Ici. Hey, il y a un deuxième corps là, c'est le corps avec lui. Là. On repasse ses têtes. On se casse. Bon alors attends, je vais regarder la clé quand même parce que j'ai des doutes là. En fait, quand on remet pas l'énergie, on peut pas ouvrir cette porte. C'est bizarre. C'est un délire. D'accord.
Non, mais en fait, je peux remettre l'électricité là. Je sais que c'est au premier étage, ça. La sortie en mode The Grudge. C'est-à-dire en mode The Grudge. Alors attends, si. Ah oui, mais je suis pas au bon étage. Je sais plus ce que c'est ici. C'est pas le truc de naissance ici? Où je suis pas allé. Attends, je vais aller checker derrière moi. Par le sol, les murs. De quoi? Qui disparaît? Tu sais qu'il y a le jeu The Grudge sur Wii. Il est pas mal, hein. Enfin, il a l'air bien pourri, mais. Ah putain, la musique. Mais c'est pas mal dans le sens où ils ont essayé de faire quelque chose. Mais putain, le gameplay, qu'est-ce qu'il est naze. Apparemment, je suis pas allé ici. Ça va, les gens qui étaient connectés, ils sont en vie? Merde, attends, je vois rien, il y a le rideau qui me gêne. Ça va, monsieur? Tintintintin. La musique, oui, la musique s'est réveillée. Avec mon flingue. Bonjour. Alors c'est où? C'est pas loin, c'est pas ici. Transmission, c'est bon. La musique devient sérieuse. Hop. Grâce à ça, on remet le courant. Qu'on allait mettre celle du main, j'ai pas compris. En fait, c'est la même clé. Est-ce que ce sera bon? Bah, j'espère, parce que sinon. C'est revenu! On a réactivé l'énergie électricité en cas de problème. Si ce que dit Shizuko est vrai, cela me permettra de descendre par la pièce du patron. De toute façon, j'arrive pas à croire que c'est un monde virtuel. On va voir, hein. Ça va, mes collègues vont pas avoir peur, hein, quand ils sortent avec le flingue. Bonjour. Hop. On va reprendre pour aller au deuxième.
Et par contre, on a pas remis l'électricité dans la cage d'escalier. Ah bah putain! Tiens, tire dans la bite. Ça peut venir celle-là, hein. Tire dans les balls. Tout à l'heure, c'était la dernière fois, le monstre était là, dans l'escalier. Mais par contre, il m'a sauté dessus direct, j'ai plus eu le temps de réagir. Attends, par contre, je sais plus où on est. Oh putain, c'est quoi ça? Bah, je crois qu'on va se casser. Voilà. Ouais, ça sent la fin du jeu. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah, je me suis gouré, c'est pas par là. Je me suis gouré, c'est pas par là, cassez-vous. LOL. Ah non, la mêlée. Je suis gouré de côté. Oh putain. What the fuck. Je suis en train de tirer sur mes collègues en fait. No problem. Ah, du coup je fouille pas trop mais je sais pas trop si... Et voilà. Putain, on voit des traces de sang, tu sais, elle a marché dedans. Ouais, on va au bureau du chef, quoi. Ouais. Ouais, là, je fonce direct. Bah, je sais pas si je devrais foncer ou pas, hein, j'en sais rien. Mais... De toute façon, c'est là où on doit aller. Voilà, c'est le bureau du chef. Apparemment, il y a un système d'ascenseur par ici. Je sais pas où c'est. C'est caché dans un mur. Toujours là derrière l'armoire. Ah! Oh! Ah oui, je l'ai vu dans l'autre monde. Et oui! Cette cachette était là depuis tout ce temps. Bon, maintenant il faut descendre. Ascenseur privé. Ça va, il est grand l'ascenseur privé. C'est cassé? Oh putain. C'est le Terminator. Ce chemin, ils sont venus jusqu'ici, ils sont vraiment persévérants. Oui, c'est sûr, mais ils lâchent pas le cul là. Ouais, on va voir ça d'à côté direct. Attends, comment te la calmer là, celui qui a sauté sur l'ascenseur là. On te la calmer direct. Oh putain, la musique. Un petit peu salopé l'ascenseur. Il y a du sang partout dedans. Ah, attends, là, s'il y a pas un truc à fouiller avant de... Non, y'a rien.
J'ai récupéré un objet à la fin. Ok, bon, on va y aller. Ah merde! C'est un chat? Ah, c'est de l'autre côté? Ah non, mais je viens d'ici. Donc c'est en face. Ah non, mais c'est bizarre parce que. Bah oui. Pourquoi c'est bloqué? Ah, attendez, je comprends pas. Attends, elle est où la pièce? Parce que là, je suis bloqué là. Ouais, c'est bien la pièce à ma gauche. Enfin, à ma droite, quoi. Juste à côté. Attends, mais comment je vais y aller si ça s'ouvre pas? On a un petit problème là. Il faut qu'il enlève de nouveau l'électricité, c'est ça? Puis j'ai rien pour le prévenir. Sign off! Merde! On peut pas y arriver comme ça? Ouais, c'est pas possible, il y a un autre truc à faire dans la pièce. Elle est bizarre cette armoire! Ah! Ah non! Faut espoir! Ouais, ça ouvre pas, ouais, y'a un truc à faire. Ça suffit pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle dit y'a un seal off. Y'a un blocage à retirer, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Ah! On a une microscope. Oh my god. Je sens mal. Indeed. I don't know why you and Robert want to have it your own way. Le trigger était dégueulasse. Chief? Just another effort. One more step and the work is over. I'll be the one who controls the virus. Virus, what? What are you talking about, Chief? It's not too bad, even as a prototype. The force of Sadako Yamamura. The force of the curse. Who'd ever imagine how powerful the force of the curse is? The force of Sadako Yamamura? The force of the curse? Robert! Robert! Oh no! Was it you? Robert? Yeah. He wanted to know about the virus, so I did him a favor. I gave him that virus to satisfy his curiosity. You gave the virus to him? That was what turned him into such a monster? And that's what caused his death? All because of the virus? Well, don't worry. You'll be with Robert very soon. In 24 hours, you'll be totally overtaken by the test virus. Before you die, you may help me to prove that I've got Sadako's force under my control. You bastard! Then all of the patients carried in here have been... For our species' sake, for humanity, Sadako's curse will sweep all over the world, transforming it. So why not improve yourself with the virus? The virus promotes us, allows us beings to evolve further. It's not for humanity at all. What you've done is not for us, but only for yourself. You just want control of Sadako's power. Maybe, maybe you're right, but it doesn't matter anymore. If only I can use this power. Look, this is it, and I'm the only one who rules this force! What's happening? No, you can't. You never be the one who control this force. Never, ever. Il est où le lance-roquette?
J'ai quitté moche. Oh la musique! Oh, ça lui fait rien! Faut que j'arrive à le mongoliser, je pense. La mongolise de l'autre côté du bureau, s'il te plaît. Non, non, reste là. Reste de l'autre côté du bureau. Loin de moi. Voilà. Très bien. Oh le con. Ah c'est très bien là. Grosse strat. Ah il est pas mort, merde. Fausse joie. Fausse joie. Oh putain, oh putain. Alors reste de l'autre côté du bureau, c'est bien. Comment faut lui tirer toutes les balles que t'as trouvées dans le jeu. Putain mais t'es mort si t'as pas trouvé toutes les balles du jeu. J'ai fait la même strat, mais attends la strat bureau. Donc il voulait s'approprier le pouvoir de Sadako et s'est retourné contre lui parce que Sadako était pas conciliante. De savoir que quelqu'un comme lui, que des gens comme lui existent. Pouvoir, gloire, tout ça c'est de la stupidité. Tout ça c'est stupide. Tu ne penses pas Robert? Eh oui. Alors du coup il a la clé ou bien? Comment ça se passe? Attends, j'ai le droit d'aller? Ah! Il y a bien un blocage au niveau de la porte. Ah donc on va voir le corps de Sadako là? Sadako? Est-ce que c'est Sadako Yamamura? Ah bah là, voilà! Elle est morte. Et elle est en vie. Shizuko. Est-ce que c'est Sadako? Oui, c'est ma fille. C'est Sadako Yamamura. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qui c'est? C'est Sadako, c'est ça. Mais peut-être que elle ne voulait simplement plus des humains. Elle voulait plus des humains qui font ce qui leur plaise, quoi. Je suis sûr qu'elle aide juste les humains. Juste les haïr. Et c'est pour ça qu'elle les a. Qu'elle a envoyé une malédiction. Est-ce que Sadako sera satisfaite si elle tue tous les humains? Qui sait? Je ne sais pas. Je ne peux à peine imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous? Elle est restée en vie. Pendant 30 ans, elle est restée en vie. 30 ans dans l'obscurité. Savez-vous ce qu'on ressent quand on est piégé dans l'obscurité? Est-ce que vous pouvez imaginer? Moi je ne peux pas. C'est pourquoi
Je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut et de ses objectifs. Je ne sais pas comment elle se sent aussi, mais ce n'est pas une excuse pour tuer. Il n'y a aucune chance pour que vous soyez pardonné en fait de meurtre quoi. Elle se réveille. Voilà. Elle se réveille. Sadako. Sadako. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu sais qui je suis? Oh putain. Qu'est-ce que... Sky? Oh putain. Wouah. What? Sadako. Où est allée Sadako? Elle a dit le ciel. Ouais. Partie dans le ciel? Je pense qu'elle est partie à un endroit où elle pourrait voir le ciel. Maintenant, elle a enfin sa liberté. Entre sa liberté. Quelque part où elle peut voir le ciel. The Yard, je pense que c'est le toit, non? Enfin, c'est le toit dans le sens là. On est parti sur le toit. Faut se dépêcher. Il nous reste pas beaucoup de temps. On the roof. On va reprendre les escaliers, je pense qu'on va repartir par... si on peut. Par la porte, là. Ah bah, elle y va direct. Ok. Wouah, esquive. Grosse esquive. Ah, s'il te plaît, non, me chope pas avec la porte, là. J'ai eu des mauvaises expériences... une réminiscence de mauvaises expériences passées. Mais j'ai rien vu du lance-roquette, Choncal, là. Je comprends rien. Putain, y'en a un qui court dans le vide là, je sais pas ce qu'ils vont là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ah non. Non, je crois pas. Je pourrais sauvegarder. Avant la fin. Ça ressemble à la fin là. Hein. Merde. Je sais plus trop quand ça se produit. Ah bon? Alors, je suis pas à la fin. Ah le con, je me suis gouré. C'était pas par là. Yo, Gilbon, comment ça va? Ou Gilbon, je ne sais pas comment dire. Comment ça va? On est en train de finir The Ring sur Dreamcast, attention. Bah, ça ressemblait à un boss battle l'autre là, donc... Je pensais que c'était le dernier boss, moi. Ça sent la fin. Allez, on va aller sur le toit. Il y a une musique par étage. Mais écoute, ça roule tranquille. En train de se faire se finir The Ring. Tout tranquillement. Voilà. La porte est cassée. Elle a l'air bien la porte. Hein. Elle n'a pas l'air si cassée que ça. Oula, on redonne du son.
là, on donne du sang partout là. Attends, mais il me reste des munitions, moi, si je dois combattre là. Lol. Loli lol. Alors, je pense que j'ai assez de soins, non? Il me reste 23 balles. Hein. Trop tard pour lance-roquette. Je viens de voir la soluce. Ah bon? Merde. Je suis entré dans la pièce là, je sais même pas s'il fallait y aller. Mais en même temps, j'ai 23 balles là. Comment je vais faire? Non, n'y va pas, n'y va pas. Non! Il reste 23 balles. Je ne suis pas sûr que ce que vous faites, les humains, soit correct. Mais elle n'a pas le droit d'annihiler l'humanité aussi non plus. Elle a grandi sans connaître l'amour. Eh oui. Je ne veux plus la voir se torturer comme ça. Plus longtemps. J'ai l'impression que je suis égoïste, mais elle souffre d'une certaine façon. Sadako, les souffrances de Sadako, elle souffre elle aussi. Elle va m'attaquer avec les corbeaux. S'il vous plaît, laissez-la reposer en paix. Et comment je fais? Bah oui, c'est mieux sans soluce. Ouais, sauf que là, je suis à poil donc. Oh putain! Oui. Ouah, elle m'attaque avec ses cheveux là, qu'est-ce qu'elle fait? Laissez-moi tranquille! C'est qu'elle fait ce qu'elle veut elle. Oh 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 oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah merde, c'est derrière là. Oh, y'a une arme, y'a une arme. Mais prends-la! Ah, lance-grenade! Alors attends. Tu l'avais vu lance-grenade, Choncal? Bon, de toute façon, je suis full merde là. Voilà. Sauf que t'en as marre de tourner en rond parce que t'as raté un déclencheur d'objets codés avec le cul. Ouais, ça c'est sûr. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Par contre, j'ai qu'une balle. Je sais pas si c'est normal. Ça, je peux pas le claquer parce qu'on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je me souviens pas, je crois pas. T'as pas fouillé. Par contre, j'ai un problème. Ah, attendez, là je suis bien placé. Elle est bloquée dans le mur. Elle est bloquée dans le mur. Je vais essayer de tirer qu'une balle pour voir si je la touche d'ici. Et si j'arrive à la toucher, on tire une roquette d'ici. Hein. Enfin, une grenade d'ici. Ah, attendez. Et parce que si on me donne pas la possibilité de la tuer, on est mal barré. Ouais, ça la touche, ok. Je propose qu'on sorte le lance-grenade. Voilà, comme un malpropre. J'ai ramassé le lance-roquette. Je sais même pas comment tu l'as trouvé. Enfin, il y a des endroits où j'ai pas fouillé, mais. C'est bon là, ça l'a calmé? Ah non! Ok. Attends, faut que je trouve des balles. Non, laisse-moi tranquille, ça va. J'ai vu qu'il y avait des balles là, j'ai vu là. Ah, le jeu me respecte pas. Regardez, il y a un truc dans le coin là. Comment on y va? Je ne me respecte pas. Et à quoi ça t'a servi? T'as même pas pu tirer avec le lance-roquette.
Ça sert à rien. Bon, par contre, là, j'ai que pas beaucoup de balles. Voilà. J'ai que 21 balles, qu'est-ce qu'on fait? Ça sent quand même le décès. Hein. Ça sent le rechargement de sauvegarde. Au fil, non? Ah putain, j'ai pas le temps là. Bon, alors, faut faire expliquer comment je récupère ces balles. Ici. Qui c'est le con? Qui s'est dit que c'était une bonne idée là? Voilà, ici la grenade. Grenade. Ah, on peut les ramasser. Yes! On peut les ramasser les grenades. Et regardez. Hop. Reload. Voilà. Et à prendre ces 4 grenades de merde dans la gueule. Content de toi de tirer. Regarde. Dans ce grenade là, attendez. Merde, je l'ai pas équipé. Je vais la libérer, Sadako. À coup de grenade. En fait, il sert à rien de lancer 4, rien. Hein? Ah merde! Ah, faut sortir le flingue. Oh putain, je me fais péter le fion. J'ai pété le fion par les corbeaux sataniques là. C'est où, je m'y attendais pas qu'elle se transforme en corbeau là. En même temps, elle fait ce qu'elle veut, hein, en théorie. Oh putain de merde. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi jouer! Putain de merde. Mais putain, mais. Tu vas voir, j'ai buté tes corbeaux, tu vas voir, toi là. Au secours! Mais c'est quoi de pas con? Regardez ça! Mais c'est l'enfer! Ah, c'est ça, tournez-moi autour. Voilà. Tournez-moi autour là. Oh putain de merde, c'est chaud. Son Amstrad, c'est dur ce jeu de 2000. Ouais, les jeux de 2000 c'était dur. Attends, mais les oiseaux m'ont mis la branlée. Ils m'ont mis la branlée, les oiseaux. Ils sont plus forts que Sadako elle-même. Mais putain, je l'ai touché normalement. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce qu'elle vise? Elle m'a mis 5 balles dans le vide, j'en ai pas assez des balles là. Il me reste 7 là. Putain, je vais finir au lance-roquette, tu vois. Enfin, au lance-grenade, en l'occurrence. Non mais tu peux te respecter s'il te plaît. Et buter ce corbeau. C'est bon là? Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je suis à 0 balles de flingue. Oh putain. Il me reste 2 balles de lance-grenade. J'aurais pas t'aider, peut-être cours autour. Ouais, non, mais de toute façon là je suis dans la merde là par contre. Si ça la tue pas là. Je suis vraiment dans la merde. Oh putain de merde. Attendez, non mais c'est une blague là. C'est une blague. T'avais combien de balles, Shonkal, quand t'es arrivé là? C'est pas possible.
J'aurais pu y arriver si elle avait pas tiré la moitié de mes balles à côté, mais... Faut surtout les conserver les balles. Ah, je suis bon pour recharger. Hein. Enfin, je vais me mettre dans un coin et je one-shot les corbeaux là. Voilà, on se casse. Ouais, je me casse, hein. Moi j'ai pas que ça à faire. Hein. Mais casse-toi là. Ah, regardez, ça réagit à la porte, regardez. Ça réagit quand j'appuie sur la porte. Bon, bah là, c'est le game over. Je peux recharger ma partie. Merci le jeu. Comment je fais? Bah, je restart, hein. Et j'ai perdu, hein. Gros jeu. Le gros jeu. Merci Infogrames d'avoir adapté ce jeu chez nous. Putain. Ok. On se casse. Bon, cette fois on a une cinquantaine de balles, on peut y arriver quand même. Ah, est-ce qu'il y avait un... Non, il n'y a plus de jeu ici. J'ai de la chance hein, qu'il y avait des balles. Parce que j'ai claqué pas mal de balles sur... Ah bon, tu trouves que c'est plus what the fuck? Je pense qu'on est déjà, on est bien servi ici, hein, dans le jeu. Hein. Parce qu'on parle quand même de monde virtuel. Voilà, c'est plutôt qu'il Blitz se prend moins au sérieux. C'est plus arcade, c'est plus ce style arcade, Blitz que... Là, le ring, il se prend extrêmement au sérieux. Hein. C'est complètement sérieux. Je suis très sérieux, X. Il faut me croire, je suis extrêmement sérieux, X. Ah bah voilà, il y avait des balles ici. J'ai pas vu les 60 balles qui étaient là. Tu m'étonnes qu'il a réussi, Chancal. Ouais, j'ai pas besoin de tout ça. Les soins et tout. Bah, le problème, c'est que. Là, je suis déjà blindé en fait. Ouais, première fois, je vais peut-être lui tirer dessus avec le frame en première fois. Son gameplay est bien meilleur, oui. Il est moins rigide, hein. Peut-être faire la première phase avec le flingue. Pas retirer une grenade juste derrière après qu'elle se sépare en plusieurs corbeaux. Je me demande si on peut pas retirer une grenade juste derrière pour toucher tous les corbeaux. Mais c'est pas sûr. Mais par contre j'ai vu comment la bloquer. Hein. On peut la bloquer comme Nemesis, on peut la bloquer dans le mur. Comme le boss juste avant. Allez madame, il va falloir rester en... Il va falloir partir en paix là. Ah putain, comment elle met la pression. Il faut se mettre là. Voilà, elle frappe. Et maintenant, il faut coller comme ça. Je peux pas m'avoir. Je peux pas m'avoir. Je peux pas m'avoir. Ah, c'est décalé, merde. Ah la conne. Ouah, touche à ton cul. Je sais pas si ça fait mal ça. Non, ça va. On s'est y aller quand même avec 90 balles. On prend plus de risques pour...
balancer ici mes soins là. Balancer au moins un soin et me permettre de prendre la socket. Ah mais attends, t'es obligé de la coincer là-bas. Sinon tu veux pas y tirer dessus. Ah, sinon tu peux pas l'avoir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sans lance-roquet, tu peux. Enfin, sans lance-gras, tu peux pas l'avoir quand elle est dans cette phase-là. Si tu essaies d'y aller normalement. Sans la bloquer dans les murs. Par contre, on donne que des soins de merde. Hein. Dans cette phase-là. Allez, viens ici. Ça bloque toi, non, bloque toi. Non, non, te débloque pas, te débloque pas. Raté. Alors, attends, on va la calmer là, parce que. Elle est un petit peu énervée là, hein, la madame. Par contre, faut pas que je la rate, hein. Je préfère la bloquer, et être sur mon coup. Mais la première fois, j'ai dû lui mettre deux grenades, hein. Pour que elle se calme. Après c'était qu'une seule. Et là c'est freestyle. Je m'étonne que t'es blessé. Tu te fais avoir sur tous les coups. Sur tous les coups, elle se fait avoir. Mais comment elle est louve? Ah, faut vraiment tirer avant. Mais sérieusement? Mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Merde. Non, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Elle vise à côté, quoi. Follow, t'es nul. Ça sert, on verra quand tu passeras le jeu. Je crois que tu l'ouvriras pas trop. Allez. Merci. Raté. Hop. On prend le lance-grenade. C'est pas The Note en plus. Tu sais très bien, Saster, que c'est toi qui vas le faire en premier The Note. Comme ça, je pourrais prendre des notes justement. Ah la pute! Ah, par contre, elle m'a bien arnaqué là. Ah là, elle m'a bien arnaqué là. Putain, il me reste deux soins. Bon, de toute façon, on va la bloquer dans le mur et on va lui tirer dessus. Tiens, tu l'as vu celle-là, là ? Tiens, tu l'as vu celle-là, là ? Putain de merde. Par contre, là...
va falloir trop déconner avec le flingue. Moyen corbeau qui est bloqué derrière un projet. Mais allez vous faire foutre quoi. Putain mais c'est ouf. T'as les corbeaux, c'est le boss final. Putain, tu mets pas des ennemis aussi vifs dans un jeu où t'es une pierre tombale quoi. T'es une tombe quoi, au niveau des mouvements. Oh merde, il y a encore une phase avec elle. Et elle est pas calmée. Ah s'il te plaît meurs. C'est pas possible que... J'ai combien de balles pour la battre? Dis-moi que c'est bon. C'est pas bon? Mais non mais c'est pas possible, attendez. Il y a une partie du jeu qu'on n'a pas vue. Bah je sais pas. Après on peut regarder un let's play hein, pour se rendre compte. Oh elle est morte. Oh putain, il suffisait juste d'une balle à la fin. Il me reste une vingtaine de balles hein. C'est quand même chaud. Hein. Ah tenez le vaccin. What the fuck. Human beings deserve to survive after this? To me, to us, the answer is no. That's the vaccine. Save the world, save humanity. They don't care about anything other than themselves. Don't you see? I care. Sounds like the truth. I'm going, but the next will come, one after another. Like every fight to kill each other until everybody's gone. The vaccine announced to cure the disease has been put into full mass production. However, some citizens desperate for the vaccine are not waiting for their ration and have started rioting. A large number of fatalities and injured due to such riots have been reported all over the country. Killing. Until everybody's gone. Ah là, gros jeu. The note maintenant. Ah, tu peux te toucher. Par contre, on peut rester sur la Dreamcast.
Ouais, elle était dans la réalité là. Oui, on pourrait mettre Libid. Ou Carrière. Est-ce que Chantal, tu veux voir Carrière en avance? Ou Code Veronica pour te montrer comment on joue. Quoique Code Veronica, je l'ai sur PS2. Je suis en train de réfléchir. Si je le... Non, ça vaut pas le coup de le récupérer. Tu veux le voir en PAL, en version PAL, Code Veronica? Mais je vais voir The Note. Non, attends, on va faire du Carrière. Je veux voir The Note. Les mecs, c'est un malin, Caster. Il veut que je joue à un jeu des enfers avant lui pour qu'il puisse bien noter ce qu'il faut faire et arriver à faire. Bah, regardez, c'est facile. Il suffit de faire ça. Je connais, hein, Zigoto. Joseph de Code Vero. Ah, il y a un point d'interrogation, regardez. Il y a quelqu'un qui bossait sur les objets graphiques, mais ils sont pas sûrs. Il y a un point d'interrogation. Il était pas là, il a disparu. Donc c'est bien un jeu japonais, hein. Donc en fait, il y a personne qui a bossé sur le graphique des objets. Voilà, c'est Chantal qui va prendre des notes. Mais peut-être que je préfère que Chantal prenne des notes que toi tu prennes des notes. Bon, en même temps, Carrière, je suis pas sûr que quelqu'un va lui proposer tout de suite. Hein. Y a que moi pour lui proposer ce jeu. Non, moi j'ai une idée de ce que je... J'ai envie de lui proposer un jeu, mais le problème c'est que mon prochain choix, c'est un choix de sport. Quoique j'ai laissé passer un tour, donc normalement, prochain jeu, je peux choisir ce que je veux. Hein, Chantal, t'es d'accord? J'ai laissé mon choix la dernière fois. Ouais, on me l'a donné. Je sais plus si c'est Retro Madness qui l'a eu. Encore. Qui me l'a donné. Et j'ai dit non, je le donne à quelqu'un d'autre. Et qui a choisi le bide. Comment il s'appelle le graphiste là, qui en a... On parlait jamais là. Sushi machin. Ah oui, ça c'était bizarre le point d'interrogation. Alors est-ce qu'il y a un New Game Plus? C'est la question piège. Où on débloque directement le lance-roquette. Y'a rien après ?